En ce premier jour de la semaine, nous regardons vers toi, Dieu d'amour. Tu nous as donné le pain de chaque jour. Tu nous as réjouis par ta création. Tu nous as assurés de ta miséricorde par le Christ. Mais nous ne t'avons pas dit notre reconnaissance. Pardonne-nous. Tu nous as fait entendre des nouvelles de toute la terre. Tu as mis devant nos yeux la souffrance de nos frères et de nos sœurs. Mais nous lui sommes souvent restés insensibles. Pardonne-nous. Tu nous as accompagnés dans notre chemin quotidien. Mais devant les soucis, nous avons été gagnés par la crainte et devant la tâche que tu nous indiquais, nous n'avons pas su t'obéir. Pardonne-nous. Accorde-nous, Père, des corps reconnaissants, attentifs et disponibles pour ton service. Amen. Quand les montagnes s'effondreraient, dit Dieu, quand les collines chancelleraient, ma bonté pour toi ne faiblira point et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Je t'aime d'un amour éternel et je te garde ma miséricorde. Voici comment Dieu a manifesté son amour. Il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui, nous ayons la vie. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher vers son royaume. Amen. Voici venu le moment de l'écoute de la parole de Dieu. Ô Dieu éternel, en pensant que nous avons tout compris, te présente dans nos vies pour tout chambouler et pour nous conduire sur un nouveau chemin. Continue à être à l'œuvre dans nos vies et particulièrement par la lecture des textes du Vic. Amen. Alors, le texte que je vous propose de parcourir aujourd'hui est dans l'évangile de Marc, au chapitre 7, versets 27 à 35. En ce temps-là, Jésus s'en alla, ainsi que ses disciples, vers les villages situés aux environs de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples. Au dire de Jean, des gens, qui suis-je ? Ils lui répondirent, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres, un des prophètes. Et lui les interrogeait. Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? Pierre, prenant la parole, lui dit, tu es le Christ. Alors, il leur défendit vivement de parler de lui à personne. Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, soit par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que 3 jours après, il ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna et voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre.
Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit : « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix, qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Je ne sais pas l'effet que ça vous fait, mais moi, cette phrase me laisse comme une impression glaçante. D'ailleurs, vous avez tous l'air glacé. Renoncer à soi-même et prendre sa croix. Quand je lis ces mots rapidement pour la première fois, j'entends quelque chose comme Jésus nous dit que pour le suivre, il faut se retirer du monde, laisser tout ce qui fait le sel et le plaisir de l'existence pour une vie de mortification et de sacrifice. Et donc, pour être tout à fait sincère, quand j'ai lu ces phrases pour la première fois cet été, je me suis dit, je vais chercher un autre texte pour la prédication d'aujourd'hui. Je vous propose quand même de noter, de mettre de côté ces réactions, de nous en souvenir, et de nous souvenir aussi que quand même, la vie de Jésus, celle qu'il nous propose de suivre, donc la vie de Jésus lui-même, ce n'est pas une vie détachée du monde, ce n'est pas une vie de renoncement et de mortification, c'est une vie incarnée, immergée dans le monde, faite de rencontres, de repas, d'échanges, d'engagements de toutes sortes. Et donc, peut-être que derrière cette première sensation, cette première lecture, peut-être y a-t-il un petit contresens. Et donc, je vous propose de réfléchir ensemble à ce que Jésus pourrait nous demander quand il nous dit que pour le suivre, il faut renoncer à nous-mêmes. Et pour faire ça, nous allons nous appuyer sur les autres versets du texte qu'on vient de parcourir. On va reprendre le début du texte, rapidement. Donc Jésus demande aux disciples qui il est, pour les gens en général, plus pour eux. Et Pierre finit par lui répondre : « Tu es le Christ. » Jésus lui demande de n'en parler à personne. Et puis il enseigne ce qui va lui arriver : rejet, mort et résurrection. Et Pierre prend à part Jésus en lui reprochant vivement ce qu'il vient de dire. Et Jésus reprend Pierre tout aussi vivement, avec ces mots frappants. « Passe derrière moi, Satan. »« Passe derrière moi, Satan. » Ce sont des mots qu'on a déjà entendus dans les évangiles. Ce sont les mots que Jésus a employés dans la tentation dans le désert, face au diable. Et en effet, il y a une similitude entre ces deux textes et la tentation. Comme le diable dans le désert, Pierre est bien en train de tenter Jésus. Il lui propose de rejeter son destin, terrible certes, pour un autre, peut-être un peu rêvé, correspond probablement mieux à sa vision à lui, Pierre. Quand Pierre dit à Jésus « Tu es le Christ », on peut se demander si Pierre ne pense pas au roi des Juifs, aux descendants de David, au libérateur attendu d'Israël, et glorieux. Et donc, en effet, entendant l'enseignement de Jésus quelques lignes plus bas, il annonce qu'il va être rejeté, qu'il va mourir et ressusciter, ça ne lui convient pas. Lui, il a des projets, pour Jésus et pour les disciples. Et au fond, d'ailleurs, que peut-on lui reprocher ? Il a des projets, il ne veut que des bonnes choses. Pourtant, quand même, Jésus rejette vivement Pierre. Son projet est plaisant, certes, mais ce n'est qu'un mirage, une illusion. Et donc, sur ces bases, renoncer à soi, ça pourrait être
renoncer à la tentation qui pourrait être la nôtre de refuser notre destin, ce qui nous arrive. Renoncer à la tentation de rejeter l'environnement dans lequel on vit. Certes, il est imparfait, mais c'est le nôtre. Nous réfugier dans une illusion, dans un rêve, et nous raconter des histoires. Vivre dans une petite bulle de sécurité, de confort, avec nos amis, notre famille. Voilà, c'est ça la tentation. Porter sa croix et renoncer à soi-même, ce serait au contraire assumer ce qui arrive, assumer ce qu'on est, accueillir le monde, le regarder en face, malgré sa dureté, sa froideur. Et c'est en effet le comportement de Jésus dans les évangiles. D'ailleurs, il ne faut pas se méprendre. Quand Jésus, on dit qu'il accepte son destin et le monde, ça ne signifie pas pour autant qu'il est le ravi de la crèche, si je peux me permettre. Il n'est pas passif. Il ne regarde pas tout ce qui lui arrive en souriant. Au contraire, il se déplace, il voyage, il soigne, il discute avec les pharisiens, il chasse les marchands du temple, il enseigne. Il est dans l'action. Il est dans l'action parce que justement, il assume ce qui lui arrive, il assume son destin, il assume la mort et l'existence du mal. Et donc, Jésus nous propose, nous aussi, d'assumer ce que nous sommes, ce qui nous arrive, de ne pas nous raconter d'histoire, d'assumer nos limites, nos défaillances, ce qui nous est donné, et en définitive, notre condition mortelle, et de construire notre vie en acceptant tout ça et en y plongeant résolument. Nous revenons au texte. Plus bas cette fois, un peu après la phrase. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Nous passons notre vie à vouloir la sauver. Nous passons notre vie à tenter de lui donner un sens, à la justifier en un terme théologiquement protestant. C'est souvent le cœur de nos existences. Nous voulons avoir une vie réussie, quel que soit ce qu'on entend derrière ces mots. Amitié, famille unie, amour des autres et de soi, pouvoir, argent, santé, j'en passe. Pour autant, nous pressentons parfois qu'il y a quelque chose d'un peu vain derrière cette quête. Bien cette quête constitutive de nous-mêmes, Jésus nous demande d'y renoncer. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Il nous propose pour le suivre, en fait, de nous abandonner à lui. Celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Nous n'avons plus à chercher à nous sauver, nous sommes déjà sauvés. Jésus nous a sauvés. C'est-à-dire, il nous a offert son amour gratuitement, quels que soient nos défauts et nos mérites, à nous, de les accepter simplement. Vous savez, ce n'est pas si simple. Et en toute confiance. Nous n'avons plus à nous sentir coupables de quelque chose. Nous n'avons plus à nous épuiser à la recherche d'un sens. Nous n'avons plus à nous épuiser à la recherche de la reconnaissance d'autrui ou à l'amour de nous-mêmes. Nous avons déjà la joie et la paix. Nous renonçons à ne chercher à nous sauver tout seul. C'est bien une libération que Jésus nous donne. Nous allons terminer avec une troisième proposition que je vous fais sur ce « il faut renoncer à soi ». C'est latent tout au long de cette promenade qu'on vient de faire ce matin avec ce texte, et plus largement avec, disons, la démarche qu'on peut avoir quand on lit la Bible. Le texte sur lequel on travaille aujourd'hui porte, comme souvent, sur un moment d'enseignement de Jésus aux disciples. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la pédagogie de Jésus est un peu spéciale. Ça commence par deux questions ouvertes. Qui suis-je pour les autres? Qui suis-je pour vous? Deux questions que pose rarement un prof, hein, de vous à moi, et qui suscite d'ailleurs probablement la curiosité des disciples. Plus déconcertant encore, Jésus, le pédagogue, ne valide
et ne corrige pas les réponses des disciples. Bonne, pas bonne, je ne sais pas. Il leur recommande juste de ne pas en parler. Quoi cet enseignement? Et ce qui les laisse probablement dans l'incertitude totale. Et puis, vient une annonce brutale, inquiétante et mystérieuse. Ou que le Fils de l'homme souffre beaucoup, soit tué et que 3 jours après, il ressuscite. Mettons-nous un instant à la place des disciples. Cela est pour le moins difficile à suivre et à comprendre. Et ces difficultés que rencontrent les disciples incontestablement ici, nous les rencontrons tous, et tous les lecteurs de la Bible les ont rencontrées depuis 2000 ans, et donc nous ce matin. Et là, il y a 2 tentations qui émergent. Face à ces difficultés, la première tentation, c'est la tentation de l'interprétation littérale du texte. C'est le sens premier, facile, qui arrive et qui fait autorité. Et c'était exactement ce qu'on a failli faire tout à l'heure, au commencement. Dans cette espèce de lecture littérale inquiétante a commencé par s'imposer, à moi en tout cas, à vous peut-être. Et on peut aussi se demander si ce n'est pas la situation de Pierre, tout à l'heure, quand il dit « Tu es le Christ ». Peut-être pense-t-il, en bon élève, avoir tout dit dans des mots percutants qui ferment la discussion et qui excluent toute réponse des autres disciples. D'ailleurs, les autres disciples ne disent plus rien. L'interprétation littérale, c'est aussi l'argument d'autorité, voire, de temps en temps, le début de l'abus de pouvoir. Mais la Bible, ce n'est pas un manuel scolaire, ce n'est pas un livre de droit, ce n'est pas un dogme statique, ou un peu mort d'ailleurs, une parole écrite, ça doit rester une parole vivante et ouverte. D'ailleurs, cette parole, elle est vivante, vous savez, par ses défauts apparents. Il y a 4 évangiles contradictoires. Il y a du flou, il y a des problèmes de traduction. Il y a des failles, il y a des creux, qui cachent la vérité, donc on bute sur le texte. Et ces failles sont aussi des espaces par lesquels parfois il y a un peu de lumière qui passe, ou un peu de souffle qui circule. Et c'est avec cette lumière et ce souffle qu'on lit la Bible aujourd'hui. Donc, quand nous lisons la Bible, renonçons à la facilité de la lecture littérale et tentons de nous éveiller au souffle qui passe discrètement et à la liberté qu'il offre. Pour autant, cette liberté qui passe, elle n'est pas sans limite. Il y a une autre tentation inverse qui s'offre au lecteur moderne, qui est de faire du tri sélectif avec la Bible. C'est aussi ce qu'on aurait pu faire tout à l'heure, passer à un autre texte. Quand le texte me gêne, quand il n'est pas conforme à mes goûts, quand je ne le comprends pas, je saute la page. Et finalement, d'ailleurs, je finis par relire toujours les mêmes passages, assez consensuels. Et c'est aussi ce qu'on aurait pu faire tout à l'heure. Le texte me choque, j'en prends un autre. D'ailleurs, c'est encore une fois un peu la même tentation que celle à laquelle Pierre expose Jésus. Je reformule avec mes mots. Si on se disait plutôt que tu es le roi des Juifs, libérateur d'Israël, ça serait quand même mieux. Aujourd'hui, pour nous, pour certains d'entre nous, moi parfois, ça peut donner par exemple, et si on oubliait la croix et la résurrection et qu'on lisait que ce qu'il y a avant? Et en effet, c'est plus facile. Mais ce n'est pas, je pense, suivre l'enseignement de Jésus. Suivre cet enseignement, c'est en fait se confronter à la totalité du texte, même quand ça choque, c'est renoncer à ses propres certitudes, suspendre son jugement, c'est discuter, c'est aller vers les endroits où on doute, c'est creuser, chercher les multiples visages de la parole et de la vérité. On dit parfois qu'on attend de l'enseignement de Jésus une révélation, quelque chose de soudain, de définitif, de brutal. Mais il me semble que la forme des évangiles
nous amène plutôt à vivre cet enseignement comme un chemin très progressif, probablement assez sinueux, assez caché. On parcourt très lentement. Face au texte, on se confronte aux mots, on se cogne, on ne comprend pas. Parfois, le texte nous relève et on se remet en cause. Parfois, c'est dur, ça coince. Parfois, il y a quelque chose qui se passe. Et finalement, face au texte, nous qui tentons de l'interpréter, c'est la Bible qui nous l'interprète, qui finalement nous transforme. C'est encore le renoncement dont on parle depuis le début. C'est une très belle aventure. Thank you.